Sois proclamé, ô toi, Philippides l'Athénien, vainqueur des Jeux Olympiques. Que les dieux te soient cléments comme t'as été clémente la victoire. Je déclare les Jeux terminés. Que nul ne laisse éteindre la flamme sacrée jusqu'aux nouvelles Olympiades. C'est à toi, ô Pallas Athénée, ô déesse, que je consacre ces lauriers olympiques. Et comme tu m'as protégé, protège, ô déesse, cette cité qui porte ton nom. Ce jour est un jour de fête pour Athènes. Philippides a apporté aux nôtres les lauriers olympiques. Désormais, sa place est avec les valeureux athlètes de la garde sacrée. Aucun de nous ne peut oublier que c'est à cette date que le peuple athénien, en décrétant il y a une année l'exil du tyran Hippias, a repoussé le péril d'un régime dictatorial. C'est à toi, valeureux Philippides, et à tes compagnons de la garde sacrée, que les Athéniens confient le soin de défendre leur liberté. Je réprouve les combats, Milciade, et je suis prêt à nous défendre sans livrer de combat. La meilleure défense de la démocratie, ce sont ses lois. Mais si l'on vient nous attaquer, chaque citoyen doit se battre comme un soldat. Milciade. C'est à toi, Milciade, toi qui représentes la force militaire de notre cité. Et à toi, Créus, toi le plus sage des archontes, le défenseur de nos traditions, que je demande, en mon nom et en celui de mes compagnons, que Philippides, vainqueur des Olympiades, reçoive le commandement de la garde sacrée. Bravo, Philippides. Ah, tu es devenu l'homme le plus populaire d'Athènes. Aussi, je te confie la défense de ma liberté. Merci, Théocrite. Mais pourquoi choisir un paysan? Ma force est celle que m'ont donnée les dieux. Par contre, ils t'ont fait un don mille fois plus précieux, l'intelligence. Mais l'utiliser à bon escient est difficile. Mais au fond de la mer, descendait la lampe splendide du soleil, entraînant la nuit noire sur la terre. La fin du jour affligea les Troyens, mais invoqué, supplié plus d'une fois, l'ombre nocturne s'étendit sur les Grecs. Continue, Andromède, va plus avant, là où il est parlé d'Hector. Non, celle où Junon demande à Hébé de rejoindre Hélène.
Lis encore, Andromède, lis ce que tu veux. Je veux lire le récit du duel entre Hector et Ajax. Oui, il est beau, il me fait frissonner d'épouvante. Mon père, je vous ferai la lecture plus tard. Ta fille ne se plaît guère en la compagnie de son futur époux. Chaque fois qu'elle me voit, elle perd son sourire. Mais non. Que dis-tu là, Théocrite? Fantasque et capricieuse avant tout, n'est-ce pas? Vous en êtes seul juge, père. Tu connais déjà les subtilités de la parole, Andromède. En vérité, ton père n'aurait pas dû te promettre à moi, mais à Apollon. N'aurais-tu pas été une sibylle parfaite? J'avoue que vous avez tous deux des idées curieuses. De mon temps, pas une jeune fille n'aurait osé critiquer l'époux que les siens lui avaient choisi. À présent, laisse-nous, Andromède. À tantôt, Andromède. Et songe aux paroles de ton père. Nous aurons un adversaire des plus dangereux avec Philippides. Il est l'ami de Milciade et de plus, il est têtu, comme tous les paysans. Non, non, Philippides n'est pas un paysan. Ce n'est qu'un homme qui aime la terre. Au fond, pour lui, il n'existe rien de mieux. Laisse-moi l'initier aux joies de la vie, et il prendra plaisir en notre compagnie. Où veux-tu en venir? Si la garde sacrée consentait à nous obéir, nous serions les maîtres incontestés de la cité. C'est en vérité ce que Hippias souhaiterait obtenir de nous. Philippides sera forcé de se ranger à nos côtés, sinon pas de pitié pour lui. Théocrite, jusqu'à ce jour, nous avons été d'accord sur les vues d'Hippias. Je t'ai promis ma fille, mais sans vouloir que soit répandu le sang d'un seul Athénien. De quoi as-tu peur, Créus? Tranquillise-toi, je ne veux pas que Philippides meure. Il me le faut vivant. À notre réussite. Oh! Excuse-moi. Cela fait partie du jeu, sans doute. Non? J'en ai déjà lancé une qui est restée accrochée dans l'arbre. Tu vois où elle est? Il faudrait secouer très fort les branches. Jamais je ne pourrais l'atteindre. Veux-tu essayer? Vois comme c'était facile. Veux-tu m'apprendre ce jeu? Tiens, vous la lancez aussi loin que possible. Comme ça. Comme ça? Si tu la lances aussi fort que ça, le jeu est fini. Tu as la grâce d'une statue de Diane. Sa grâce et sa beauté. Voyons, regarde-moi. Je t'ai reconnu. Tu es Philippides. C'est Philippides, le héros des Olympiades. Mais oui. Et toi, quel est ton nom? Je me nomme... Qu'est-ce que cela te fait? Je veux rester pour toi l'inconnu. Et si j'avais envie de te revoir un jour? Connais-tu le temple de Cérès vers le Pirée? Oui, j'y passe souvent. Est-ce qu'il envoie au temple de Cérès? S'il tient à te revoir, ce n'était que par politesse. C'est faux. C'est que je le pensais. Allons jouer. Cette nuit, quand tu verras la lune sur l'acropole, nous danserons pour Cérès dans le temple. Oh! Il viendra. Il est beau comme un dieu. Est-ce toi, Philippides? Oui, c'est moi. Que me veux-tu? J'ai un message pour toi, homme fortuné. Oui, une invitation de ma maîtresse. La jeune fille qui doit danser devant Cérès cette nuit? On dansera-t-elle pour Cérès ou pour Vénus? Mais elle dansera, sois-en certain. Et elle se nomme? Pourquoi veux-tu la prendre? En sera-t-elle moins belle si tu ne peux l'appeler par son nom? Ai-je raison? C'est juste. Où est-elle? Viens avec moi. Oui, Philippides, le vainqueur des Olympiades. Ce sera à toi de le vaincre. Est-il beau, au moins, ton Philippides? J'offenserais mon amour s'il était affreux.
Oh, je t'en prie, laisse ton amour. Tu sais qu'il m'est fastidieux. Tu n'as pas d'avis à donner, fais ce que j'ordonne. La désobéissance serait pour toi dangereuse. Tu te feras aimer de cet homme. J'ai besoin qu'il soit entre mes mains et ta fortune augmentera. Ah, ainsi tu me plais. Ton discours est clair. Dénué d'artifice. Viens, Carice. Le voilà. Alors, est-ce qu'il te plaît? Mm-hmm. Adieu, Carice. Je te laisse le soin d'agir avec adresse. Entre, ma maîtresse impatiente. Bienvenue aux héros des Olympiades. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Tu sembles désappointé, j'ai cru voir dans ton regard une ombre. Mais c'est que je m'attendais à voir une autre femme. Oh, plus belle que moi? Non, très différente. Qui es-tu? Je suis Carice. J'étais à Olympie le jour de ta victoire. Ton nom est Carice? J'ai en effet entendu prononcer ce nom. J'ai préparé une fête en ton honneur. Pour moi? Tu verras... La plus belle danseuse d'Athènes, tu goûteras les vins les plus rares. Il y aura des lutteurs et nous serons seuls pour les applaudir. Je regrette, Carice, je ne peux rester. Je suis attendu. C'est vrai? Boire avec moi, tu redoutes un philtre d'amour. Qu'il viendra? Mais rappelle-toi, voyons ce que j'ai dit. Quand la lune se lèvera sur l'acropole, il viendra, tu verras. Andromède, Ion, venez vite! Divine Cérès, fais que nous rencontrions celui qui nous apportera la joie du cœur. Appelle ça des lutteurs. Oh, c'est très difficile. Ils se font payer cher. Ils sont d'une maladresse. J'ai cru te divertir en te montrant ces lutteurs. C'est gentil. Mais encore faudrait-il que ces lutteurs connaissent la lutte. Ils sont lamentables. Merci de la manière dont tu as voulu honorer ma présence. Que tu aies discourtois et obstiné aussi. Je t'en prie, Carice, je dois m'en aller.
Comme tu veux. Laisse-moi passer. Tu n'avanceras pas d'un pas. Cessez de vous battre. Je crois que je vais me contenter de cette stupide histoire. Quand le reverras-tu? Jamais plus. Pourquoi devrais-je le revoir? J'ai été, il me semble, précis. Je t'ai fourni d'amples explications. J'ai dû subir l'affront d'être repoussé. Non, c'est fini. Et tu voudrais qu'il recommence? Et c'est Carice qui a été domptée. Allez, va-t'en. J'ai cru t'avoir fait comprendre ce qu'il fallait obtenir de lui, n'est-ce pas? Je suis seul à savoir ce que j'ai à faire et ce qu'il faut faire. Souviens-toi que tu es ici chez moi et tu n'aurais plus rien sans moi. Voilà qui est faux, tu abuses. Toi aussi, toi, tu es à moi. Je vais te prouver le contraire. Plutôt que de faire ce que tu veux, je m'en irai. Ne t'acharne pas sur Philippides. Tu oublies que je paie tes services. Mais que t'as donc fait ce Philippides? Serais-tu amoureuse de lui? C'est lui qui est amoureux. Mais d'une autre. Ah oui. Et peut-être d'une noble fille d'Athènes. Et toi, l'aimes-tu? Non, cesse d'insister. Plus jamais. Ne t'es pas arraché à l'esclavage de Mycène pour que tu t'amourages de Philippides. Gare à toi, Charisse, ma belle. Si tu refuses d'obéir, je te frapperai, je te défigurerai, je te frapperai jusqu'au sang. Tu deviendras un objet d'horreur. Gare à toi, Charisse. Tu détesteras le jour de ta naissance. Pas une raison parce qu'on déteste les armes. Pour en ignorer le maniement, on peut s'en servir pour défendre une cause. Peut-être. Mais que veux-tu, je n'admets pas leur existence. Ah oui, tu préfères le combat à main nue. Une épée peut faire du mal, mais elle peut faire aussi du bien. C'est selon celui qui la manie. Tiens, prends. Défends-toi. Pas. Voilà. Plus vite. Attention. À la vitesse du vent. Encore. À toi. Attention. Ah, parfait, très bien. Regarde. Une épée, selon toi, ne servirait que pour transpercer un homme. Comme ça? Non. Plus à gauche. Oui. Cette fois, juste au centre. Mais sais-tu d'où vient cette bige? Qui le sait? Elle a des ailes aux roues comme le char d'Apollon. Oh.
voulais-tu me fuir? N'ai nulle envie de te parler. Je veux que tu saches que ton souvenir ne me quitte plus. Que veux-tu dire? Que me racontes-tu? Sans savoir comment je me nomme. Que m'importe ton nom? Une seule chose compte, une seule. C'est que je t'aime. Pourquoi fuir? Écoute-moi. C'est inutile. Ma vie est désormais toute tracée. Et mieux vaut ne plus nous revoir. Écoute. Non, ne t'en va pas. Je vaincrai les obstacles, quels qu'ils soient. Ne t'en va pas sans me laisser d'espoir. Non. Il n'y a pas à avoir d'espoir, je n'en ai pas le droit. Je ne puis faire autrement. Je t'en prie, ne t'éloigne pas sans me dire ton nom. Surpris? Je ne pouvais m'attendre à ce que tu retournes chez moi. Qui t'a laissé entrer ici? Quelquefois, on obtient grâce à un sourire certaines choses de certains hommes. Ils ne sont pas tous des Philippides. Ta visite me fait plaisir. Je me sentais très seul. Cesse de railler, je te prie. Non, non. Je n'aime pas être embrassé dans cet état d'esprit. C'est pire que de recevoir une gifle. Je n'ai ni haine ni dépit. Et moins encore d'amour. Je n'ose prétendre à un peu d'amour. Je n'ai seulement pensé qu'à t'aider en ces heures difficiles et à te faire retrouver ton sourire. Je voudrais que cela soit aussi simple que tu le dis. Moi aussi, j'ai commencé par caprice. À présent, c'est différent. Je t'aime. J'ai besoin de toi. Je crois que tu as besoin avant tout de dominer, de séduire. Tu es injuste. Philippides, c'est ton tour de garde. C'est mieux, Caris, c'est mieux. Je l'ai invité ici pour lui parler clairement. Parler sans détour à Philippides, c'est simplement confier ses intentions à Milciade. Avoue que tu as en tête quelques plans, toi qui te vantes de connaître les hommes. Tous les hommes ont un point faible, à savoir lequel. Je déteste l'intrigue, elle me répugne. J'ai reçu des nouvelles récentes d'Hippias. Il trouve que le moment d'agir est venu pour nous. Le peuple aussi s'impatiente. Par contre, si la garde sacrée s'insurge contre nous, nous serons chassés de l'acropole pour longtemps. Alors, tu as une idée? C'est vrai. Et je saurai si elle est réalisable aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Attends au moins que j'en ai la certitude. Je pense que vous désirez me parler. Mais oui. J'ai convié chez moi certaines personnes et je voudrais que tu assistes à ce repas à mes côtés. C'est un hôte d'une grande importance, Andromède. Tu verras. Cet hôte est-il vieux ou jeune? Ni l'un ni l'autre. Mais je crois qu'il sera un ami précieux. Comment se nomme-t-il? Tu le sauras tout de suite, il vient d'arriver dans le jardin. Le visiteur est là, maître. Sois le bienvenu dans ma maison, Philippides, car ta présence m'honore. Ton invitation est un honneur. Voici ma fille. Et bientôt, elle sera mon épouse. J'ai l'impression que vous vous connaissez. Oui. Oui, enfin à peine. Puisque je n'en ai gardé qu'un souvenir confus.
comme ça doit se produire dans un demi-sommeil. Si je t'avais vu une seule fois, ne serait-ce qu'en rêve, je n'aurais pas pu t'oublier. Mais en somme, de quoi parlez-vous? Venez, le repas est prêt. J'ai réuni ici les meilleurs musiciens de la cité, je t'en prie. Assieds-toi. Je chante les charmes du vin qui noie tous les chagrins. Videz votre verre, ô convives, en souhaitant que pour vous, la vie soit douce et légère. Je ne t'ai pas vu sourire une seule fois, Philippides. J'ai peur que tu ne sois pas satisfait de mon hospitalité. Elle m'a fait grand plaisir, Créus. Je l'ai fort apprécié, je t'en sais gré. Les archontes en conseil, à parieur, voilà qui me surprend. Ils doivent avoir un grave motif pour le faire. Mais à présent, je ne peux pas demeurer avec toi, Philippides. En m'attendant, Andromède et Théocrite vont te tenir compagnie. Tu dois aussi savoir ce dont il s'agit. Je sais ce que tout le monde sait, que notre flotte est décimée et que les Perses menacent de débarquer sur nos plages, poussés par le traître Hippias. Est-ce que tu penses, toi, qu'Hippias est un traître? Je me sens lasse. Je vais me reposer. Pauvre Andromède, elle est anxieuse. Et je crois que tu comprends pourquoi. Je ne vois pas. Pourquoi cherches-tu à cacher tes sentiments? J'ai su que tu l'avais déjà rencontré. En tout cas, votre attitude est presque un aveu. Son trouble, son langage. Andromède est fidèle, elle respecte sa parole. La parole que son père a donnée au mien, tu veux dire. Nos pères s'étaient promis de nous marier quand nous étions adolescents. Mais elle ne m'aime pas. Si tu voulais l'épouser, je pourrais fort bien m'éloigner. Et qu'iras-tu exiger en échange? Hein? Rien. Créus, peut-être. Il désapprouve ton idéologie politique. Vois-tu, il nous a laissés seuls pour que je te parle clairement. Si tu veux, Andromède, il faut embrasser notre cause. Et est-ce qu'Andromède acceptera? Je dis, crois-tu qu'Andromède acceptera? Et toi, accepterais-tu? J'ai besoin d'avoir tout de suite ta réponse. Je t'ai posé une question et je la renouvelle. Andromède est-elle d'accord? Oui, oui, elle est d'accord. Autrement, pourquoi aurais-tu été invité avec elle? Elle le fait pour son père. Elle ferait n'importe quoi pour lui. Et puis, elle s'intéresse à la réussite de notre cause. Philippides! Qu'est-ce que tu veux? Accorde-moi quelques instants. Je veux te dire une chose grave. Je voudrais que tu saches que je t'aime. Vraiment, tu m'aimes. Et tous les trois, vous m'en croyez dupe. Cet amour arrive juste à point. Laisse-moi. Philippides! Philippides? Quelle est la cause de son ressentiment, de cette colère contre moi? Elle s'en repentira, sois-en sûr. Depuis son retour d'Athènes, il n'est plus le même. Il paraît triste, tout l'ennui. Milcial! Salut, Philippides. Que cette demeure soit tienne. J'ai eu subitement besoin de respirer un peu d'air pur. Le vent d'Est dessèche la terre. C'est justement le contraire. Ciel couvert, pluie et nuages. Philippides, apporte un bon vin. Sur la place d'Héraclès, on a inauguré de nouveaux thermes. Ils sont chers, mais s'y rendre est un signe de distinction. En valent-ils la peine? Ah, je l'ignore, car moi je n'y suis pas allé. Je sais par contre que Théocrite s'y est installé et il paraît qu'il s'y divertit beaucoup. Sais-tu qui a versé des larmes après ton départ? Cette splendide Étaïre de Mycène, Charis. On raconte qu'elle est amoureuse de toi. Je l'ai juste entrevue. Elle t'avait vu aux Olympiades. Tu as eu une belle victoire, quel succès. Ils en ont tous perdu la tête, c'était du délire au cours de la lutte.
Il a été fort courageux, ce jeune Spartiate. Eurus, n'est-ce pas? Il n'a pas eu de chance. Il ne méritait pas d'être vaincu. Tes compagnons de la garde sacrée ont une opinion tout autre. Et ton départ, disons imprévu, les a déçus. Ils étaient fiers de toi. Je crois que vous avez surestimé ma valeur. Non. Et je t'avoue que, comme eux, j'ai eu la même impression. Le motif doit être sérieux qui t'a obligé de quitter Athènes. Les responsabilités de ta nouvelle charge, peut-être. La vie est différente, le temps passe ici, doucement. C'est faux. J'ai ici des responsabilités, des soucis, des regrets. Mais je ne pense pas y retourner, Milciade. Milciade, j'ai été envoyé pour t'avertir que les forces persanes ont débarqué dans la plaine de Marathon. Tu dois sans retard regagner Athènes. Penses-tu, Darius? À la puissance de mon armée. Tu verras que nous n'aurons même pas besoin de combattre. Les Athéniens et les Grecs n'attendent plus que toi pour les débarrasser des quatre ambitieux qui les gouvernent. Ce sera une parade fastueuse, un triomphe. Seulement, il se pourrait que les dieux aient des désirs opposés aux tiens. Je préfère confier à mon armée cette tâche. Ce n'est pas la première fois que notre territoire subit une agression de nos ennemis. Et ce n'est pas non plus la première fois que notre cité, nos lois et nous-mêmes courons le risque d'être dangereusement menacés. Oui, mais la menace qui pèse sur nos têtes s'amplifie de jour en jour. Les Perses ne sont qu'à 100 stades de nos murs. Que signifient ces paroles? Que nous devons nous rendre et accueillir les Perses comme des amis? Sans aide, nous ne réussirons certainement pas à repousser Darius et ses hommes. Car nos levées sont trop pauvres. Nous armerons à peine 10 000 légionnaires et 5 000 cavaliers. Nous nous battrons à 10 contre 1 sans le soutien d'une flotte. Nous remettrons des armes aux vieillards, aux adolescents. Ne combattront-ils pas tous pour un idéal commun? Et s'il est impossible de vivre libre, mieux vaut mourir en combattant. Milciade! Sauve-nous, Milciade! Défends-nous contre les Perses! Nous te faisons confiance, Milciade! Allez, allez, parle, Milciade. Toute Athènes aspire à entendre tes paroles. As-tu déjà trouvé le chemin qui nous mènera à la victoire? Je ne possède pas le don divin de transformer un affreux désastre en triomphe. Théocrite veut obtenir de moi un prodige, sachant bien, très bien, qu'il est irréalisable. Il veut un prétexte pour m'accuser plus tard de m'être vanté. Voilà une guerre qui sera décisive pour l'avenir de notre peuple. Chacun de nous
devra comprendre qu'il est temps de s'unir dans un même effort. Et alors, pourquoi ne pas envoyer se battre nos hommes les plus glorieux, les athlètes complets de la garde sacrée? Pourquoi les gardes-tu à Athènes? Une centaine d'hommes jetés dans une bataille n'apporterait pas la victoire. Je compte sur eux pour être les défenseurs du temple de Pallas Athénée, car je ne crois pas aux prodiges, mais j'ai foi en la faveur des dieux et en notre bon droit. Le bon droit! Le bon droit ne saurait faire gagner une bataille. Seule existe la force militaire. Une armée disciplinée, la masse des combattants, épée contre épée. Seule la valeur peut avoir son prix dans la mêlée. C'est qu'il a à se défendre contre un agresseur qui menace son foyer, sa terre, sans décupler ses forces. Et ce n'est plus une épée que brandit son bras, mais une arme invincible. Un splendide massacre. C'est ce que nous propose Milciade. Mourir, mourir tous. Mais avec gloire. Considérons plutôt la réalité. Nous sommes 1 contre 10. Je pense qu'il serait sage d'engager des pourparlers avec Darius. Certes. S'il nous faut supporter seul le choc des assaillants, la résistance s'avère inutile. Mais pourquoi sembler désespéré? Alors que d'autres légions, non moins aguerries que les nôtres, peuvent apporter leur aide. Vous ne croyez pas qu'avec l'aide de Sparte, la Grèce, une fois encore, sera sauvée? Et qui nous garantira l'aide de Sparte? Elle est comme nous, menacée. Après Athènes, Sparte subira le même sort que nous. Et après Sparte, toute la Grèce. Les Spartiates le savent. Les Spartiates se défient de nous. C'est vrai. Ils pensent qu'il doit y avoir chez nous des chefs qui sont prêts à trahir la cause commune. Mais il y a un homme qui a leur confiance et qui saura bien les convaincre. Cet homme est demeuré au-dessus de tout soupçon. Son nom est Philippides. Quant à moi, dès que j'aurai rassemblé mes hommes, j'irai au-devant des Perses pour les affronter dans la plaine de Marathon. Si le conseil approuve mon plan, qu'il ordonne à Philippides de partir sur le champ. Bientôt à Marathon. Dieu nous protège et veille sur toi. Je te remercie, Icaris. Je sais que tes vœux sont sincères. Adieu. C'est juste puisqu'il est le seul être vraiment digne de toi. Oui, oui, je l'aime. Depuis sa visite dans cette maison, il n'est plus le même. Il doit y avoir une raison. Je ne sais plus penser. J'ai trop de peine. Je n'ai commis que des erreurs à ton égard. Comme à l'égard de ma cité, je ne croyais pas que notre peuple était contre Hippias. Théocrite est un parjure, un renégat. Père, tu te tourmentes en vain. Qui pourrait oser t'accuser de félonie? Le peuple te connaît et t'admire. Es-tu venu jusque chez moi? Allons, parle! Dois-je partir en exil pour te faire plaisir? Alors que veux-tu? Réponds! Je viens te dire que je sais que ce n'est pas moi qui l'aime. Si Philippides t'aime, je ne le reverrai jamais plus. Mais protège-le contre l'infâme Théocrite. Lui, il n'aime que toi. Mais toi, qu'as-tu fait pour mériter cette joie? T'aurait-il parlé de moi? Jamais. Non, jamais il n'a prononcé ton nom.
Son amour se lit dans ses yeux. Dans toutes ses paroles, on te sent toujours présente. Oui, il croit te haïr. Peut-être cherche-t-il à s'étourdir, à t'arracher de son cœur. Tu es contente? Alors ose le dire. Caris, écoute-moi. Va-t'en. Va, je n'ai que faire de toi, de ton innocence, de ta pureté et de ta pitié. Va-t'en. Le peuple n'a confiance qu'en Philippides. Ils sont tous persuadés qu'ils lui devront leur salut pour être partis seuls à Sparte. Et je doute que Philippides aille à Sparte. Jamais il n'y arrivera. Pourquoi? Qui te fait dire cela? Nous sommes en guerre et la route est longue. Il est arrivé quelqu'un de la campagne pour te parler, mais... Qu'es-tu venu faire ici? Tu reviens sans les autres? Le Philippides. Il est vivant. Il s'est enfui aussitôt. Oh, assassin! À quoi bon m'injurier? Viens avec moi. Où veux-tu m'emmener? Réponds! Nous allons partir à la recherche de nos amis et des troupes de Darius. Laisse-moi par pitié. Pour aller me trahir. Tu en sais trop, beaucoup trop. Tu vas venir avec moi? Non, non, laisse-moi ici. Les forces athéniennes, sous les ordres de Milciade, défendent Marathon contre un ennemi commun. Leur victoire dépend de nous. Athènes garde l'espoir de voir Sparte à ses côtés. On ne peut pas donner suite à l'appel des Athéniens, du moins en ce moment. Tant que la lune ne sera pas nouvelle, aucun de nous ne consentira à prendre les armes. Telle est, selon les oracles, la volonté des dieux. Oui, s'il faut en croire les oracles, c'est que les dieux veulent la complète destruction de la Grèce. Philippides a dit la vérité. Nous devons secourir Athènes. Si nous ne nous unissons pas contre les Perses, il sera facile à Darius d'aller vaincre en premier Athènes, puis Sparte. Tu oublies donc, Rus, les querelles qui pendant des années ont divisé Sparte et Athènes. Les guerres qu'il nous a fallu subir. La méfiance. Les offenses qui crient vengeance. Prétends-tu les effacer d'un seul trait pour nous entraîner dans une guerre? Et qui peut nous assurer de la bonne foi des Athéniens? La parole est à Philippides.
aucune garantie ne sera plus sûre. Archonte, dois-je vous rappeler ma rencontre avec Eurus aux Jeux Olympiques? Ce grand athlète vous dira qu'il a eu souvent la preuve qu'au cours de chaque combat, et quelle que soit sa force, il importe que toutes les parties du corps se battent en bonne harmonie. Spartiates, nos deux cités sont les membres d'un même corps. À nous d'éviter la discorde et de conjuguer nos efforts, et la Grèce pourra vivre. La situation est grave. C'est à vous d'en juger. La peur est devenue notre ennemi. Elle nous perdra. Non, Milciade, nos hommes sont prêts au combat. À vos postes! Qu'attendent-ils pour lancer leur cavalerie? Attaquons-les, menaçons leur flanc droit. Non, ils pourraient bien nous réserver quelques surprises. Ne bougeons pas. En avant! Les trappes.
Comment pourront-ils tenir? Envoyez les réserves. Ce serait manquer de prudence. Elles sont notre ultime ressource, notre dernière chance. Athéniens! C'est Philippides! Athéniens, tenez jusqu'au bout! Sparte est avec nous! C'est Philippides! Soutenons la lutte! Sparte vient à notre secours! Envoyez toutes les réserves! Attaquez! En avant! J'accepte de mettre à ta disposition mes 30 navires. La victoire t'appartiendra puisqu'Athènes n'a aucune flotte. Mais rappelle-toi que mes hommes ne doivent pas rencontrer de résistance. Dans ton plan, tu devais les contraindre à se rendre sans condition et sans se défendre. Voilà l'ultime occasion qui t'est donnée pour réussir ce plan. J'ai assez attendu la reddition d'Athènes sans combat. Et pendant ce temps, leur résistance s'organise. Regardez, là-bas, il y a une femme. Paris, arrête-toi! Elle a tout entendu, elle nous trahira. Arrête-toi, Charis! Laisse-la mourir, c'est une espionne. Voilà comment meurent nos ennemis. Salut, grand roi. Nous nous reverrons à Athènes. Déjà, nous voici à la moitié de la nuit. Les Spartiates avaient pris l'engagement de nous aider. Le Russe a été affirmatif. Faut-il se dire qu'ils ne viendront plus? Ils se font des illusions s'ils croient que Darius se contentera de notre défaite. Aujourd'hui, nos hommes se sont défendus. Mais demain, si nous demeurons seuls, les Perses nous écraseront tous. Que se passe-t-il? Ôtez-vous de là. Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'ils ont capturé un soldat ennemi. Philippides! Viens vite! Nous l'avons trouvé gisant devant le camp.
Elle te réclame. C'est à toi qu'elle veut parler. Philippides. Charis. Philippides. Écoute. Charis, qui t'a blessé? Les Perses débarqueront au Pirée. Ah. Demain, ils attaqueront Athènes. Ils l'attaqueront par là. Théocrite, l'équidra. Il faut partir. Oh, mon amour, sauve. Des discussions est passé. Il ne faut plus attendre. Pars pour Athènes. Ce serait la trahir que de ne pas tenter de sauver notre cité. Que ferais-je seul contre Darius et sa flotte? Tu dois rassembler les soldats de la garde sacrée. Et vous tenterez de vous opposer à leur débarquement. Oui, tu as raison. Ils nous ont attaqués, il faut nous défendre. Si les légions de Sparte arrivent, tout ira bien. Nous pourrons reprendre la bataille. Nous attaquerons aux premières lueurs de l'aube. Résiste jusqu'à la troisième heure. Et si par contre tu restes sans nouvelles, sauve-toi. Pense à sacrifier aux dieux, Milciade. Occupe-toi de ces funérailles. Que l'on dresse un bûcher pour elle, et placez à ses côtés les armes d'un ennemi. Elle a mené le même combat que nous. Pas à revenir.
Allons par là, suivez-moi. Dormir, il est tard. Pourquoi n'es-tu pas allé te reposer? Quelle est la cause de ton tourment? J'ai besoin de rester seul. Il ne faut pas t'occuper de moi. Ne veux-tu pas te confier à moi? J'ai compris depuis longtemps que tu dois résoudre de graves problèmes. Allons, dis-moi ta peine. C'est bien inutile d'en parler. Tout est perdu déjà. Non. Je suis certaine que Philippides va réussir sa mission. Quelle émouvante scène de la vie familiale. Hélas, les événements m'obligent à l'interrompre. Nous sommes en guerre, Creus. Andromède excusera ma hâte et ma brutalité. Que faut-il encore t'accorder? Voilà le moment de rappeler à Hippias notre fidélité. Nous éviterons ainsi à Darius quelques mauvaises surprises. Que doit-il faire? Ton père doit convaincre les Archontes de faire la paix avec Darius. Il le peut, il est fort écouté. De pareils conseils en ce moment de désarroi peuvent leur donner confiance. Abuser de leur confiance, est-ce là? Bien. En fait, tu veux que je trahisse ma patrie. Les Archontes iront au combat sur mes conseils. N'as-tu pas compris que tu perds ton temps? Tu vas obéir sur le champ, ou c'est ta fille qui paiera pour toi? Père! Laisse-la, ne l'emmène pas. Non! Non, lâchez-moi. Laisse-la. Il faudra pour que je te la rende qu'Athènes me soit remise. Non! Non! Ah! Malheureux! Vieillard insensé, tu feras ce que je veux, tu entends? Je serai inflexible. Ou Athènes ou la vie de ta fille. Attention. Maintenant, rejoignons la flotte. Philippides! Qu'est-il arrivé? Vite. Rassemblez la garde sacrée. Notre cité est en danger. C'est par la mer que nous gagnerons le Pirée. Les Perses attaqueront par là. Théocrite est à leur tête. Attention, pas trop de bruit. Les attrape. Je pense que le premier est là. Mettez-les sur les barques. Doucement. Silence! Laissez parler Philippides. Ce que j'ai à dire est grave. L'ordre de Milciade est de s'opposer à l'envahisseur jusqu'à la troisième heure. Je n'ai à ma disposition qu'une centaine d'hommes et eux ont toute une flotte. Crois-tu qu'ils nous fassent peur, Philippides? Ne crains rien, nous les repousserons. Il faut que mes ordres soient exécutés. Notre chance de salut est de les attaquer par surprise. Il ne faudra rien tenter avant que je vous en donne le signal. Au secours! Soldats de la garde sacrée, accourez! Mon maître Creus a été poignardé. Il se meurt. Allez, continuez. Je ne serai pas absent longtemps. Non, il est trop tard pour moi. Mais sauve ma fille. Elle est innocente et elle t'aime. Où est Andromède? Théocrite l'a emmené avec lui de force.
et j'étais trop faible pour la retenir. Et j'étais assez fou de croire ses paroles. Qu'importe la mort, lorsqu'on se sent coupable. Mais elle, non. Elle n'a commis aucune faute, elle a souffert de mes erreurs, je le sais. Sans comprendre pourquoi. Sauve-la. Laisse-moi au moins cet ultime espoir. J'irai à sa recherche. Si les dieux sont justes, je la ramènerai. Ici que nous les arrêterons. Allons-y. Cette révolte. C'est moi qui te conduirai à Athènes, sur mon char. T'es pas si sûr que ça. Tu assisteras à mon triomphe. En esclave. Comme une reine, tu peux choisir. Aujourd'hui, j'aurai Athènes à mes pieds. C'est impossible. Les dieux vont intervenir. Ma pauvre Andromède. Les dieux n'hésitent pas à se mettre du côté du plus fort. Qu'est-il arrivé au navire? Je n'en sais rien. Je connais bien la côte. L'eau est profonde ici. Allez! Lâchez pas les rames! À vos poches!
Hissez la voile. Tenez-vous prêts. Hissez la voile. Nous nous attaquerons au centre, les autres sur les flancs. C'est de la pure folie. Regardez-les. Ils nous attaquent. S'ils espèrent nous vaincre avec leurs deux navires... Voilà ce que c'est que de trahir. Attachez-la à la proue. Non. Tu n'auras plus qu'à attendre ton sauveur. C'est un piège, ils n'ont qu'une centaine d'hommes avec eux. Ramez plus vite! Ramez plus vite! Avançons, droit vers le navire! Ouvrez les rostres! Préparez-vous à l'attaque. Tous à la mer. L'autre navire aussi. Trappez au milieu. Tous à la mer. Suivez-moi. Ils nous attaquent à la nage. Harponnez-les. Thank you.
clé, Philippides. Ils nous attaquent. Tout est fini, Andromède. La troisième heure est passée. Milciade a dû subir une défaite à Marathon. Qu'importe ce qui arrivera, puisque je suis avec toi. Lancez la cadence! Gagnez la terre!